une alliée de taille pour le prince Harry. Depuis son mariage avec le prince William en 2011, Kate Middleton a embrassé plusieurs fonctions au sein de la famille royale. Duchesse de Cambridge, représentante d'Elizabeth II lors de ses déplacements officiels, elle est également depuis plusieurs mois une médiatrice entre son mari et son frère Harry, brouillée avec les Windsor depuis son départ de Grande-Bretagne et l'abandon de son titre de membre senior. Et tandis qu'elle poursuit ses engagements de duchesse et future reine consort, Kate Middleton s'applique en privé à ramener la paix au sein de sa famille, notamment d'arranger les choses entre les princes William et Harry. Décrite comme une brillante arbitre et pacificatrice par son oncle, Kate Middleton essaye de servir de médiatrice entre les deux fils du prince Charles depuis l'interview explosive du couple Sussex, accordée à Oprah Winfrey, précise Gary Goldsmith, relayé par le Daily Mail, et qui n'est autre que le frère de Carol Middleton, installé à Ibiza. Si quelqu'un peut apporter la paix à la famille royale, si est-il bien Kate. Point. Chaque os de son corps consiste à se faire des amis et à faire de son mieux. Elle essaie de servir de médiatrice, a précisé son oncle. Toutefois, si ce dernier salue les actions de sa nièce, il n'a pas été sans mettre le prince Harry en garde. L'oncle de Kate appelle le prince Harry à se ressaisir en effet, si Kate Middleton a tenté d'opérer un rapprochement entre le prince William et son frère lors des obsèques du prince Philippe en avril dernier, cette paix ne pourra être ramenée au sein des Windsor que si le duc de Sussex y met du sien, a souligné Gary Goldsmith, l'appelant même à se ressaisir et arrêter son épisode complaisant qui consiste à se poser constamment en victime vis-à-vis des Windsor. Et ce avant qu'il ne soit trop tard, et qu'ils ne puissent plus trouver de terrain d'entente ou de relations à reconstruire avec eux. Si vous voulez une vie facile, résolvez-la en privé et discutez avec respect. Ne le diffusez pas en public, si est-il vraiment blessant, a-t-il souligné. Laissant ainsi penser qu'à bout d'un moment, Kate Middleton ne pourra plus rien pour le prince Harry.